Formation yo, je n'en ai déjà annoncé dans le titre journal là. Je dis à Xam, kidnappé directeur bureau OAVCT Pétionville, qui a dit la Doredel, la Rèche, dans la commune Croix des Bouquets, côté acquisé base 400 Marozo, qui t'a kidnappé directeur hier matin jeudi, côté que l'étape vient travailler dans le bureau li dans Pétionville. Mais selon famille, jusqu'à présent, poco gagné. Trop de détails par rapport avec après ça kidnapping ça concernant et l'agent que ravissait au même t'a demandé famille pour libérer et directeur service OAVCT suppose ça qui trouvait là dans Pétionville qui c'est que dit Doredel la Rèche mais 400 marozo qui a frappé sérieusement dernier temps ça yo dans en commune Croix des Bouquets pendant que jusqu'à présent on fait qu'on ait gagné employé service immigration avec immigration qui c'est John Joseph qui kidnappé toujours dans la commune Croix des Bouquets qui t'a pris direction la Scarobas département saint payant côté tégué madame ni avec sur l'information qu'une fin croix et tégué l'autre proche li qui t'es ensemble avec Johnson Joseph et n'a fait qu'on est tout gagné président équipe AS Akayan qui c'est Villemont-Pierre que bandit dans Matissan kidnappé jusqu'à présent qui dans Meraviseyo famille pour capable de trop nouvelles de moun silayo j'en dis hein, c'est et presque chaque jour Ravisseyo pas suspend kidnappé moun dans différentes zones différents quartiers en dedans Port-au-Prince. Dans sa qu'il y a protestation chaque fois, il y a un monde qui est kidnappé, plusieurs emplois immigration et immigration étaient bloqués. Route là, lui, plus précisément devant local institution, dans l'idée pour continuer à exiger libération collègue de Joseph Johnson qui est kidnappé dans la commune Croix des Bouquets. Un protestateur était dressé barricade sur route là, mais était différent dans caoutchouc, paralysé circulation. Citoyens, ça veut dire pas by vague jusqu'à ce que collègue libéré et puis il a profité critiquer autorité concernée qui d'après même pas j'en prononcé sous un dossier ça en côté quelques dans micro radio méga nous gros collègues nous Johnson Joseph yo kidnappé là pendant la patrie la caille ministre intérieur a dit comme ça que son bande épave bande volé bande voyou qui manifesté dans la ria ça veut dire que nous pas rien nous pas employé vrai et puis on mandé l'homme sans jour mandé 100,000 dollars américains et on dit comme ça yo pas gain yo pa gen l'hôpital la kayo et mo gyo gen 3 jours bay pou nou bay 100,000 dollars américains nous non ministère intérieur dit il pa ba on goûter fok li bay cob la pou yo libérer Johnson ça responsable non agir ki sa nou même ki employé ka li ka manifester malgré nous ki sa hein police ba nou gaz police ba nou bal police ba nou bal et y a man yo ba mete nou tete en bas là et si moun est disposé là police dit pa gen li pa gen kèsa si même petit bébé nous toutes notre mouri oui la libération Johnson nous mandé si Johnson côté lié si Johnson pas libéré pays a bloqué airport bloqué immigration bloqué pays ça chaîne pas qu'à vivre dans pays n'a quitté pays nous prend Chili n'a quitté pays à pour eux parce que la gagne l'état dans pays si la gagne l'état ça va pas passer pour ça on va qu'à vivre dans pays on dirait que la presse by Gaza déjà oui by Gaza on va aller nous on va gaz nous va la poudrière chrétien là. Yonte non corridor yo, bon ba de moun yo avec gaz. Gout si moun la manke dispose kouyo kouyo avec l'hôpital là. Ave di yo di yo pa koun gen moun yo pa koun si moun sa vo sa leon chal volé pa yo vin fè et li a fè. Pendant ce temps, même moun yo pa ka passer Matissan, la police pa ka débloquer Matissan pou yo. Même moun pa ka passer Croix des Bouquets, la police pa mal faut dévoile, je dis à protéger servia Croix des Bouquets, mais c'est sou moun ka revendiquer. Pour kidnapping, il y a une équipe moun là sous champ de masse là. Kopit gros camion qui va aller qui va dans sud là. Pour ça la police pas le fond, je le débloquer en bas. Pour ça, là, il y a venu mettre des mounes. Pas de raison, nous avons des problèmes par nous. 6 heures. Voilà, ça c'est voix divers collaborateurs, collègues Johnson Joseph dans service immigration avec immigration qui y est et planté piquetio. Nous notre fois encore devant local ça pour capable exiger libération collègue Johnson Joseph que bandit kidnappé surtout monsieur 400 Marozo yo là je dois être sur yo. N'a toujours été dans même dossier ça bandit saisi dans Matissé environ 8 camions qui t'après livrer siwo nan commune Léogane mardi passé. Ça qui red là après au fin payer l'argent pour camion yo, la police qui t'a essayé
barre la ria à gros tracteur crasé machine sa yo. Yon action président coordination syndicale haïtien Marcelin Jean-Philippe dénoncé. Syndicaliste nan révélé que plusieurs autres machines qui bloqué nan main bandi yo sou route sa. En bas j'ai autorité concernée qui pas fait un yen pour sortir population nan en bas griffe bandi yo. Marcelin Jean-Philippe mandé bureau suivi à Montana aller plus vite à cap processus nan pour finir avec yon autre pour venir avec un autre gouvernement pour venir poser problème question insécurité ça en côté Marcelin Jean-Philippe nan micro collaborateur Jean-Philippe Marseille. Mais nous avons environ 8 camions. Parmi eux, il y a 4 camions qui sont au niveau de plateau central qui pourraient délivrer si vous dans la zone Léogane. Eh bien, dans des marches autorité en place, soi-disant de la police, tu as fait moyen pour retirer les machines pour débloquer tout le monde et écraser les machines en plus. Machine des paisibles malheureux dans le secteur transport qui pour machine livrer qui fait un transport de sirop nèg exam prend machine bloquer la rue et dans tentative la police bon c'est défavorer machine plus machine écrasé donc paraître avec gros matériel gros tracteur par couloir pour ces machines éclater éliminer caoutchouc dans machine faire plus de dégâts possible encore et même machine ça pour bandit te livrer machine c'est rançon machine pour faire livrer dans la zone Léogane, obligé que des machines à toucher l'argent si pour remettre avant de chercher l'argent complété pour remettre à négo pour t'avoir livré machine. Pendant que vous d'accord, t'avoir livré machine après en pile tentative de négociation, et bien la police vient s'écraser machine plus tout. C'est pour nous démontrer non et tout côté de passer dans le secteur transport, c'est difficulté, problème, et n'y a plus de machine là. N'a prêté avec situation ça côté secteur transport lui-même la prend gros coup surtout ça qui fait grand sud de pays hein côté gagnant direction compagnie bis Dieu qui décide qui annonce tout client à la population grand ancien yo campé sous transport Jérémy Port-au-Prince Jérémy depuis hier jeudi qui était 14 octobre 2021 décision ça prend par rapport à ce phénomène insécurité qui gagnant dans Matissan depuis plusieurs mois selon ça responsable direction compagnie bis Dieu qui décide yo dit compagnie en décide de protester contre situation ça hier jeudi hier matin yo fait connait bandit fait tentative pour yo te prendre un bis à tout passager la donne une tentative qui pas réussi d'après ça responsable compagnie bis qui Dieu qui décide yo même yo dit il dit après rappeler plusieurs fois compagnie a victime en bas main bandit ni l'autre compagnie bis qui fait Jérémy Port-au-Prince hier jeudi l'été environ une heure après-midi gain bis qui fait Port-au-Prince Jérémy qui peut coca quitter Matissan pour aller dans département Gradas pays semaine qui se passe là son semaine qui était difficile en pile pour transport grand sud là avec Port-au-Prince à cause bandit Matissan qui a des problèmes surtout avec phénomène kidnapping monde qui peut si a-t-il en bas note ça pour direction compagnie bus Dieu qui décide c'est Anderson Duvert. N'a toujours été dans ça avec dossier insécurité gain directeur exécutif Sotkal Lévesque là qui dénonçait phénomène insécurité à Captaï Badan région métropolitaine là gardi maison neuve quoi gain on met caché derrière situation ça pour l'idée SKL là l'état doit aller dans sous l'ant pour gain contrôle douanier et puis équipe PNH pour puis bien faire travailler en côté gardi maison neuve qui était dans micro Peter Son Blaise nous équipe d'appel n'a gain levier ça bien de l'aile monter gain de l'aile descendre. Quel est le kidnapper qui dit il a fait rêve? Ça veut dire, c'est pas ça, moi, qu'on voit l'autre côté. Imaginons que moi, t'es Brésil, et moi, t'es gardé le Rio, comment monsieur l'a a dévasté, comment vous faites, vous comprenez? Et moi, comprendre que. Kidnapping n'a gagné maman, gagné papa, gagné frère, gagné soeur. Donc ici, il n'est pas difficile pour gérer le tout sous pas, sous couper sous alimentation. Qui est-ce qui maman, papa, frère, soeur, et qui est-ce qui sous alimentation, qui côté sous ça et tout les mêmes? Bon, maman montre, il n'y a pas un secret pour personne. Monsieur, au côté, il n'y a pas déplacé, il n'y a pas gagné, même moi, il n'y a pas gagné, ça, mais il n'y a pas gagné. Son monde qui baille. Pour nous, yo, airport nous, yo, frontière nous, tout n'est pas soi. Mais pendant que ou montrez que problème moyen que la police n'a pas gagné, bon, t'as dû rejoindre. Mais qu'on y a engagé population lui-même. Pas oublier,
Pabli, avant de dire que je fais une enquête sur la police. Oui, je suis rapport, ça me présent dans l'autre bail et présenter rapport ça. Mais en nous garder là tout, pendant que vous montrez moi la police n'a pas gagné, je vois passer, bandit et papillon, bon, après plus l'espace. Non, la population n'a pas arrêté à subir, à mourir en bas, c'est pour organiser, pour protéger tête. Voilà la déclaration directeur exécutif Sotkal Leveclan Gardi Maisonneuve qui t'a parlé concernant la situation de sécurité. Rassemblement contre impunité dressé en table somme sur situation sécurité pays à côté yon bon pays en bloqué dans niveau Matissan. Sans côté l'autre zone capitale en bandit prend en otage. Léonard Renalno croit contexte impossible pour Premier ministre Ariel Henry a parlé de monter Caipé, conseil électoral provisoire. Léonard a mandé tout secteur dans la vie nationale là, mobilisé pour forcer l'État à résoudre problème et sécurité. En côté, Léonard Renal nous pour plus de détails. Victoral, en tant que PM de facto, est-ce que je dis, si vous avez un pouvoir tout bon vrai, priorité qui s'adouille, est-ce que c'est un conseil électoral? Tandis que je dis, chaque jour, il y a kidnappé les gens à travers tout le pays, il y a tué les gens, 70% des gens pas à l'école. Quartier défavorisé, le ciel pas d'eau y a monté. Port-au-Prince, à pile la ville provinciale, toute zone est devenue quartier non droit. Pétionville, nous tous nous d'accord, Pétionville, il est devenu quartier non droit. Est-ce que je dis à priorité, c'est organiser l'élection. Décision ça, montrez-nous très clair que vous avez une mission. Même Jean Kenneth Metten, qui vient en Haïti, il a une mission. Je viens avec Léon Charles, nous avons une mission bien déterminée. Peuple haïtien, si nous pas organiser nous, comment dans 2 mois, dans 3 mois, pays à la pied. L'Église catholique, côté pouvoir, convocation que nous avons gagné, lorsque nous avons parlé de moralité, lorsque nous avons rassemblé le monde, lorsque nous avons possession, l'Église catholique l'a fait, l'immobiliser près de 50 à 60 000 personnes dans la rue. L'Église protestante de même, lorsque nous avons fait activité des rues, nous avons mobilisé en pile monde. Je dis, ils ont entré dans l'Église. Ils ont kidnappé une madame, ils ont tué Maril, même journée ça, service dans l'église ça, ils continuent. L'église catholique, l'église protestante, tout ça qui a passé dans le pays, ça a passé tant qu'on l'aide à la poste pour nous. Toujours dans le même dossier, ça, j'en ai dit, la police a arrêté citoyen ça qui est le Fred Chéri, alias Baby. Côté la police a arrêté tout ça dans la nuit qui était mercredi 13 octobre passé à là, dans Torsel. Tout ça qui était dans machine RAV 4 noir qui gagne comme plaque AAA 77529. Côté la police posé la patte monsieur, c'est une équipe en agent Udmo l'Ouest 2 qui a arrêté Fred Chéri, alias Baby. Et ils reproché Fred Chéri comme monde qui t'a suspect nan, qui t'a participé dans assassinat inspecteur police Emmanuel Silencieux qui et puis côté audit Fred Chéri t'a impliqué tout dans cas kidnapping qui t'est fait qui fait son pasteur dans Peignier 27 et Fred Chéri tout ça qui gen non li c'est Baby monsieur t'a fait partie membre gang Torsel qui dirigé par citoyen ça qui est Vitel homme innocent que je dis à là la police a cherché Vitel homme tout en coup TSE qui besoin l'appli. Autorité policière surtout dans DCPJ fait connait Fred Chéri alias Baby li nan men autorité policière la pou répondre question enquêteur DCPJ yo pour ensemble de sa reprocher li surtout tout ça qui impliqué non série des actes et puis qui fait partie organisation criminelle ça que Vitel homme li même a dirigé nan en Torsel. N'avance avec l'autre information dans le journal Mega Matin, ce concerne l'autre dossier là pour nous garder. Côté gagné sous-secrétaire d'État pour sécurité civile, la démocratie, qui a 3 mois usé qui a visité Haïti, dans la date qui était 13 pour arriver, 12 pour arriver 13 octobre passé à là. Qui ça qui dit après visite sous-secrétaire pour sécurité civile, démocratie, 3 mois usé rasé dans la date 12 à 13 octobre 2021, sous-secrétaire d'État pour sécurité civile, démocratie, ak droit moun usgazé a te visité Haïti pendant première visite officielle li comme sous-secrétaire d'État pour souligner engagement pays États-Unis pour peuple haïtien et puis supporter solution qui dirigé par haïtien face à ka défi payant sous-secrétaire a été accompagné par sous-secrétaire adjoint principal James Roach qui nan bureau international narcotique
ak application la loi. Pendant visite là, sous-secrétaire Zeya a rencontré avec premier ministre Ariel Henry pour discuter sur rapatriement haïtien dans sécurité ak nan respect pour moun. Importance dialogue qui rassemble tout moun nan société civile là ak acteur politique yo pour mener nan élection libre. Et puis juste sous prévention COVID-19 là ak responsabilité nan assassinat président Moïse là, li te rencontré tout ak acteur important nan gouvernement société civile là ak organisation non gouvernementale yo tankou représentant ki soti nan bureau intégré Nations Unies nan pays d'Haïti BINU, organisation état américain OEA, organisation internationale sou, pour migration OIM ak Fonds Nations Unies pour Timoun UNICEF pour discuter sous action qui pral permettre augmenter sécurité, lutter contre corruption et puis renforcer gouvernance démocratique là. Représentant société civile là, comité national ak capacité contre trafic monde ak l'autre acteur te partagé bon jan l'idée sur comment États-Unis ta ka tracer chemin pour un accord consensus qui dirigé par haïtien yo et cap amener dans organisation élection libre. Jis les moyens techniques qui permettent ça dans respect droit monde ak liberté fondamentale yo et puis sous comment États-Unis ta ka soutenir gouvernement haïtien pour lutter contre trafic monde. Sous secrétaire d'État Zeya te rencontré ak directeur général intérimaire police nationale d'Haïtien Léon Charles dans Académie nationale police pour te souligner engagement pays États-Unis pour aider Haïti renforcer capacité li pour assurer sécurité tout monde dans pays d'Haïti. Li te rencontré tout ministre intérieur Litz Kitel qui c'est ministre justice intérimaire tout pour souligner engagement États-Unis te prend ça pas gain trop longtemps pour te bailler 15 millions de dollars en plus ça pour aider diminuer violence gang yo et puis améliorer infrastructure prison yo. États-Unis engagé l'IS pour soutenir solution qui dirigé par haïtien yo pour augmenter sécurité pour tout le monde en Haïti, assurer responsabilité dans cas violation droit monde, rétablir institution démocratique yo à travers organisation élection libre, JIS et puis soutenir gouvernement haïtien dans façon à accueillir haïtien qui rapatrie yo. Pays États-Unis c'est un partenaire solide pays d'Haïti et puis administration Biden Harris là rete engagé pour soutenir peuple haïtien dans moment difficile. C'est ça exactement comme bilan visite visite à sous-secrétaire qui c'est lui-même Isra Zeya qui était en Haïti sorti 12 pour arriver 13 octobre passé. On a avancé avec information concernant mais formation KIPA là côté qu'en pile organisation qui eux même dit yo pas en question formation KIPA ça en pile organisation droit monde et puis en pile organisation femme tout dit non yo pas en question ça. Information conseil électoral provisoire li non véritable impasse plusieurs organisations droit monde et organisation femme que premier ministre Ariel Henry lui-même invité pour capable avoyer représenter et participer dans choix membre KIPA yo refusé participer dans processus ça. Jean Diala premier ministre Ariel Henry qui lui-même li cap travailler sérieusement là pour mettre capé conseil électoral provisoire que galon ancien conseil que Guéland Meza du table dirige qui censé écraser que PM dans lui-même ni censé écraser conseil ça mais li dit la travailler sérieusement là pour capable mettre capé un autre conseil électoral provisoire qui selon lui-même selon PM Ariel Henry qui pourra inspirer population confiance après organisation droits humains qui relie sorte qu'à l'évêque nous parle de des détails sur ça et là-dedans on coalition organisation diaspora c'est tout par conférence épiscopale d'Haïti qui lui-même retire quoi dans question processus et ça pour t'avouer Mambio et dans question formation conseil électoral provisoire selon aux conférences épiscopales d'Haïti conditions yo pas réunies pour capable organiser élection en d'un pays. Et c'est raison ça qui fait yo même yo pas répondre avec invitation ça que premier ministre Ariel Henry fait yo pour atal participer dans processus désignation membre conseil électoral provisoire. Coalition organisation qui est les League of Asian American Diaspora Alliance Network là-dedans qui basé dans États-Unis d'Amérique, yo même tout yo pas répondre invitation premier ministre Ariel Henry te faire pour capable participer dans formation conseil électoral provisoire et assemblée constituante là. Donc correspondance que yo voyé mercredi passé à la chef gouvernement responsable organisation ça dans États-Unis qui yo même qui selon coalition gestion et sécurité et puis souci majeur yo c'est qui priorité là pour que premier ministre Ariel Henry lui même ta mette accent sur lui. Yo souhaité tout gain un accord global qui joint entre différents acteurs concernés yo et qui pourra mettre en application qui pourra répondre avec revendication peuple haïtien surtout si la cap vive en Haïti et pourquoi pas ça cap vive à l'étranger yo. Et ça pourra permettre que pays lui même li sorti dans situation les trouver jeudi.
Responsable association patron média yo Georges Venel remarque pour AMI, association média indépendant d'Haïti, et Jacques Samper pour ANMH, association nationale média haïtien, yo même tu yo pas écarté possibilité pour patavoye moun à représenter yo dans secteur pour secteur presse là dans conseil électoral provisoire et tout. De l'autre organisation, j'en dédié à tout femme, qui yon même qui dit, yon pas nan question ça, tant que Sofa Krifam Haïti, qui dit, yon pas nan, voye représenter dans le conseil électoral provisoire. Et gagne tout qui dénonce tout question secteur démocratique populaire, qui lui même ta, yon estime, yon estime qui ta, et nan question ça, et yon dit qui, joudi à la, yon pas inspiré confiance avec secteur démocratique là, et tout avec équipe Ariel, nan, qui yon même nan question à quoi ça, nan question formation, un nouveau conseil électoral.